CanalSupporter.com, bonjour, bienvenue dans cette édition. Selon une de nos sources, Claude Makélélé va re-signer pour une année supplémentaire. L'officialisation par le club se fera dans quelques jours. Antoine Camboré souhaitait ardemment que Claude puisse re-signer. Et cette volonté est partagée par le joueur. D'ailleurs, Claude se sent suffisamment en jambes pour effectuer une saison entière. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus suivrait ardemment William Gallas et serait disposée à lui offrir 2 années de contrat. Jean-Louis Triaud, le président des Girondins de Bordeaux, dément tout contact avec le Paris Saint-Germain pour le milieu Aloudiara que Antoine Camboré a mis sur sa liste. Le président des Courrières, le président de Valenciennes, a déclaré à But Paris qu'il n'avait pas d'offre pour Siaka Tiné de la part du PSG. Étonnant, surtout, qu'il a recruté Palois pour le remplacer. Le programme de reprise du Paris Saint-Germain est enfin connu. L'entraînement reprend le 1er juillet avec un stage à Aix-les-Bains du 6 au 15 juillet. Côté match amicaux, le PSG affrontera le samedi 10 juillet Evian à Genève à 19h, le mercredi 14 juillet le Sporting Portugal à Annecy à 19h, le samedi 17 juillet le PSG affrontera Malines à Cambrai à 19h et enfin le samedi 24 juillet le PSG affrontera le Legia Varsovie. Le lieu et l'horaire est encore indéterminé. Le trophée des champions aura lieu le mercredi 28 juillet. Donc c'est l'OM face à Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que c'est le vainqueur du championnat de France au vainqueur de la Coupe de France. Ça aura lieu à Tunis au stade de Rades à 20h45, diffusé sur M6. Et enfin, le tournoi de Paris aura lieu le samedi 31 juillet au 1er août, au dimanche 1er août, au Parc des Princes. Si Canal Supporter avait existé le 2 juin 1981, je vous aurais annoncé. Le PSG fait match nul contre Angers 2-2 au Parc des Princes et termine 5e du championnat. Une première dans l'histoire du club et la confirmation de la montée en puissance des joueurs parisiens depuis l'arrivée d'un certain Georges Perroche, arrivé en fin 1979. A bientôt, ciao.